KXTC Podcast. Le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2023, sur le port de Bandol, dans le Var, aura lieu la valse des Capions. Vire-vire, embarquement du public, artisans sur le quai. Nous avons demandé à Dominique Chabot, président de l'association Pointu, Légendes et Traditions, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Cette manifestation va se passer en 3 jours. C'est un rassemblement de pointures qui viennent de Marseille, de Saint-Nary, de Saint-Mandrier. Le but, c'est de les rassembler dans le port avec les autres pointues de Bandol. À partir de là, il y aura bien sûr un cocktail et une réception avec toutes les autorités. Voilà pour le vendredi. Le samedi, on attaque des choses sérieuses. On fait des régates dans la baie de Bandol en espérant avoir une météo correcte. Ce sont des régates de bateaux anciens avec des gréements authentiques, latins ou auriques. Il y aura une 20aine de bateaux qui vont donc régater dans cette baie. Et le soir, nous aurons une remise de prix classique avec un repas. Un repas au bord de la plage derrière la société nautique. Il y aura en tout 44 bateaux qui se sont inscrits et il y en a une 20aine qui arrivent de l'extérieur. Où de l'extérieur ? Ce sont les bateaux qui arrivent de Saint-Nary en majorité, de La Ciotat, de Saint-Mandrier et de Marseille. Nous avons quelques bateaux de Marseille qui viennent. Ça couvre pas mal la région, il y a des courageux qui viennent de Marseille. Que les liaisons avec les autres associations de pointus, ça marche fort? On est en relation étroite, avec Saint-Nary on échange tout. Les bateaux qui vont venir, ils vont arriver en groupe, on va les accueillir. Nous on prépare déjà notre fête, mais on prépare aussi l'arrivée de nos bateaux la semaine suivante à Saint-Nary. Donc on essaie de jouer le jeu, ils viennent nombreux, on y va nombreux. Alors le public, bien sûr, sera convié sur cet espace. Il y aura quand même une 20aine d'artisans sur le quai. L'artisan de la mer, peintre, poterie, bijoux, orienté mer. Et il y aura le dimanche un embarquement du public qui commencera à 9h jusqu'à midi et 14h, 18h. Là, c'est offert. On promène les gens dans la baie de Bandol et pas besoin de s'inscrire. Hein. Ils viennent au centre des pointus et ils embarquent. Voilà pour la partie publique. KXTC Podcast.